Scanner thermique, gel antibactérien et marque au sol pour indiquer la distance sociale à respecter. Les mesures de sécurité mises en place à l'entrée des galeries des offices sont strictes. J'ai profité de l'occasion et je suis arrivée ici très tôt parce que les gens au milieu du musée m'empêchent de voir ce que je veux. Le nombre de personnes dans les galeries est désormais limité à 450. C'est une excellente occasion de faire l'expérience d'une nouvelle forme de visite d'un tourisme lent et d'un musée lent, ce qui signifie de s'y rendre moins souvent, mais de rester plus longtemps et de regarder et d'en apprendre beaucoup plus pendant la visite. Dans le musée, au lieu d'entrer, de prendre deux ou trois selfies et de se précipiter, les visiteurs peuvent venir et prendre le temps de vraiment regarder les œuvres et ressentir les émotions qu'elles véhiculent toujours. Le directeur explique également que le musée a perdu près d'1 million de visiteurs et 12 millions d'euros de recettes lors des récents mois de fermeture. En effet, l'Italie a imposé un confinement national le 11 mars dernier, le coronavirus se propageant rapidement dans le nord du pays. Ces dernières semaines, l'Italie est entrée dans la phase 2 de ses mesures de lutte contre la pandémie en assouplissant les restrictions pour les magasins, les restaurants et les musées.